Bonjour Jackie. Bonjour. Bon, il y a quelques semaines se terminait le match de Colomiers devant 27 000 spectateurs. Une fête incroyable et une déception. Est-ce qu'au fil du temps tout ça est passé chez toi ? Ce qui reste de ce match, c'est surtout l'engouement que ça a produit au niveau alsacien. 26 000 ou presque 27 000 spectateurs en national, c'était du jamais vu. Je pense que ce sera un record difficile à battre. Et puis après, au niveau sportif, au niveau de la déception, voilà, c'est passé. Quand on est sportif et qu'on a pratiqué au haut niveau, on sait que la défaite fait partie du sport et puis qu'il faut être capable de se remettre en question. Et là, on a quand même eu 4 semaines pour le faire. On se retourne rapidement vers l'avenir ? Oui, bah, de toute façon, l'avenir, ça a été décidé en 48 à 72 heures après. Donc, je pense qu'il ne faut pas vivre avec le passé. Il faut retirer le positif, mais aussi dans la défaite ou dans les défaites qu'il y a eu, le pourquoi. Je crois que ce sont des leçons qui ont été tirées et qu'on va essayer de ne pas renouveler ou de renouveler, si elles sont bonnes, cette saison. Personnellement, tu n'as pas été très long, tu n'as pas hésité. Tu as très rapidement donné ton accord pour poursuivre. Qu'est-ce qui t'a incité à aller aussi rapidement vers cette décision que tout le monde espérait ? Bah, tout simplement parce que j'ai depuis que j'entraîne, je crois que c'est la saison où j'ai eu moins de problèmes à régler avec un groupe de compétiteurs qui a eu un état d'esprit irréprochable. Je pense que ça facilite un petit peu les choses. Et puis surtout, je dirais que contrairement à ce que j'ai connu dans le passé, lorsque le club gagnait l'une ou l'autre coupe, où on perdait les joueurs parce qu'on n'était pas capable de les conserver financièrement, et non seulement on perdait les joueurs, mais on recrutait pas du tout la même qualité, donc on affaiblissait l'équipe. Cette année, j'ai senti dans le discours du président, sans garantie, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, mais j'ai senti vraiment une envie de bâtir un groupe pour essayer de continuer ce qu'on a fait sur les 6 derniers mois de la saison. Donc à partir de là, voilà, je suis en bonne santé, donc pourquoi pas re-signer une saison. Donc tu as démarré ce fin juin les entraînements, la préparation de la saison qui va être passionnante. Forcément, tu l'abordes de manière totalement différente qu'il y a un an à la même époque. Ben, il y a un an, on ne savait pas encore qui on allait recruter, si on jouait en national, si on jouait en CFA. Nous étions 12 ou 13 avec plusieurs jeunes du centre de formation à l'entraînement. Aujourd'hui, on est sans les gardiens, une vingtaine de joueurs, et plutôt des joueurs confirmés. Et donc la situation n'est pas du tout la même au niveau de la préparation, parce qu'avec le staff, on passe plus de temps, même s'il y a encore des choses à faire, plus de temps à penser au programme d'entraînement plutôt qu'à recruter une équipe pratiquement, pas complètement, mais après beaucoup de départs, 13 ou 14 départs, il fallait vraiment refaire un groupe compétitif. À cette heure, tu as un effectif qui n'est pas totalement bouclé, mais qui a quand même un état d'avancement très important. Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui ? Comment tu le juges, cet effectif ? Bah, c'est ce qu'on a constaté depuis le mercato de la saison dernière, c'est tout simplement l'arrivée de deux joueurs expérimentés qui étaient Chrétien et Blaïac. Bah, ça a changé beaucoup de choses, ça a amené beaucoup de sérénité. Et puis, au vu de ce qui s'est passé, je pense qu'il y avait une ossature, Okidja, Seka, Salmier, sans oublier Sikimic qui peut prétendre encore à une place de titulaire, Grim, Ndoye, Blaïac, je pense que sans oublier les autres, mais je dirais que c'est une colonne vertébrale qui a très très bien fonctionné. Donc une des priorités pour moi, c'était que le... Qu'est-ce que ça veut dire, ça donne des certitudes dans le travail ? Bah, c'est-à-dire qu'on va gagner. D'abord, ce sont des joueurs de talent, des joueurs avec un état d'esprit qui me convient parfaitement, des joueurs forts individuellement mais qui sont au service d'un collectif. Et voilà, je crois qu'à partir, on va gagner du temps parce qu'on a déjà travaillé.
plusieurs mois ensemble. Et je répète que la saison dernière, il y avait un grand chambardement dans l'effectif et que tout le monde pense qu'une équipe, ça se bâtit comme ça en claquant des doigts. Et ça ne se bâtit pas comme ça. Il faut que l'entraîneur arrive à trouver les complémentarités entre les joueurs. Et là, normalement, une grande part de complémentarité est déjà acquise puisque ce sont des joueurs qu'on joue ensemble pendant plusieurs mois. Avec les arrivées Donc d'un deuxième gardien avec un lourd passé en Ligue 1, en Ligue 2, je veux dire, même s'il était souvent deuxième gardien, mais il était doublure d'Alexandre Wenzel au Havre, donc on le connaît bien au club. C'est un joueur expérimenté qui va nous amener un vrai joueur de club et qui a envie de s'immiscer dans la vie du club. On a signé hier un arrière latéral droit qui a entre 250 et 300 matchs de Ligue 2. Il y a le grand Kanté qui est venu nous rejoindre avec un joueur athlétique, et jeu de tête et puis un très bon technicien au milieu de terrain. Et puis Omar Pouille, le buteur d'Amiens qui nous a rejoint. Et je dirais plus les joueurs qui viennent de re-signer et ceux qu'on voulait absolument garder dans l'effectif. Et quelques jeunes, je pense qu'on est pas encore tout à fait paré, maintenant il y a encore un travail à faire derrière. Est-ce qu'on peut dire, sur tout ce que tu viens d'énoncer, que le groupe, a priori, sera plus fort que celui de l'an dernier ? Bah non, je dis pas ça. Nous, vous savez, quand on recrute, on pense améliorer. On pense que ça va aller mieux, mais c'est pas une certitude. Donc, ça sera le travail qu'on va effectuer, la préparation qu'on fait, qui pour l'instant, depuis trois jours, se passe dans un super état d'esprit. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Après, à moi d'être juste, parce que c'est vrai qu'il y aura parfois des choix assez difficiles à faire, mais bon, il vaut mieux avoir ce genre de choix à faire que ceux de la saison dernière où j'étais parti avec Ba, Oliveira, Amofa et Grimm au milieu de terrain, quatre joueurs de milieu de terrain, et puis il n'y en a qu'un qui a fait tous les matchs, un qui a été malheureusement blessé, et les deux autres qui n'ont pratiquement pas joué. Donc j'espère qu'on va être épargné par ce genre de situation cette saison. Tout ça fait quand même que de l'extérieur, il y a la vision d'un Racing qui s'est renforcé, qui est très très ambitieux. Toi-même, tu as déclaré très vite, ainsi que le président Marc et tout le monde, que cette fois l'objectif, c'est la montée en Ligue 2. Les supporters aussi attendent ça. On a l'impression qu'il va y avoir comme une pression qui n'a plus existé depuis des années, même si en montant de CFA 2 et CFA, cette pression existait aussi. Mais là, elle est un peu différente et augmentée. Non, mais je crois que je le redis encore devant toi aujourd'hui, faudrait être foucu, excusez-moi du terme, pour ne pas le dire. Maintenant, je ne vais pas le répéter sans arrêt, je pense qu'on le dit au début de saison, l'objectif c'est d'être dans les trois premiers. Et comme on l'a dit depuis le mois de janvier, où on espérait toujours avec 8 points de retard, cette année il s'agira de prendre le train à l'heure et de partir en même temps que les autres. Tout simplement, c'est pas en se disant on a une équipe pour monter et on va continuer sur ce qu'on a fait les 6 derniers mois et que ça va se faire tout seul. Non, je pense que le sentiment que voir les gens, c'était. Ouais, mais les gens. Il y a eu 7 matchs formidables, voilà. Ça va continuer. Mais les gens, je voudrais les moi, je suis ravi qu'il y ait autant de monde dans le stade. Donc, je connais très bien le public strasbourgeois. Je sais qu'il peut être enthousiaste, qu'il peut nous aider et il nous a aidés. Et je veux dire, on aura besoin de nos supporters la saison prochaine. Mais je pense que le club, la locomotive du club, c'est avant tout à nous, les joueurs, le staff, d'aller chercher ce public pour le faire vibrer. Et parce qu'on sait que, et je sais par longue expérience à Strasbourg, que si par hasard on devait démarrer lentement, les critiques seraient vite arrivées. Alors, c'est moi, un message aussi, c'est pour dire. Non, le message, c'est que Colmar a fini quatrième en 2013-2014 et Colmar s'est battu, parce que ça me vient à l'esprit, s'est battu pendant jusqu'à 4-5 journées de la fin en annonçant une équipe meilleure. Donc ça, c'est. Il n'y a que celui qui n'a pas pratiqué le foot qui pense que parce que ça a été comme ça la saison d'avant, et on l'a vu au Racing Club de Strasbourg qui a été champion une année et puis où tout a explosé ou l'année d'après. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc moi, je suis très 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 confiant. Je suis content qu'il y ait beaucoup de spectateurs, que tout le monde vibre, tout le monde attend beaucoup.
on va essayer de satisfaire tout le monde, mais c'est avant tout pas, c'est les gens qui sont dans le vestiaire et c'est à moi de trouver une cohésion, un état d'esprit et de mettre une pression aux joueurs, mais sans leur en mettre, parce que c'est plus, si on met trop de pression, faut mettre de la bonne pression, quoi, je veux dire. Voilà. Avec Gustave Hillier qui est dans l'équipe aussi, dans ton staff. Tu repars avec des gens que tu connais, qui se sont investis, voilà. Ouais, je pense qu'on a rien changé, hein, finalement, que ce soit dans le corps médical, avec que ce soit un adjoint qui est à temps plein maintenant, Sébastien qui s'occupe aussi du recrutement avec d'autres personnes, et voilà, avec un préparateur athlétique qui a quand même fait du très bon travail l'année dernière. Et qui a raté le début de la préparation. Et qui a arrêté le début de la préparation, mais on avait fait une bonne préparation, parce que je rappelle quand même qu'on avait bien commencé, on avait pris des points sur les 4 premiers matchs. On avait gagné à l'extérieur et donc voilà, il faut reprendre un bon départ et ne pas connaître de trou d'air comme on perd des matchs, certainement qu'on va en perdre, mais ne pas perdre des matchs comme on l'a fait la saison dernière. Et notamment au mois d'octobre, on a pris 0 points. Quoi. Ça serait pas bien de penser que Orléans ou Châteauroux, pour en citer que deux, ou Arles, Avignon, ne veuillent pas regagner le monde professionnel rapidement. Puis il y a Sedan qui monte avec de grosses ambitions et un gros budget d'après les échos que j'ai eus. Faut pas oublier Colmar non plus, hein, qui s'est restructuré, un changement d'entraîneur et donc qui a certainement de nouvelles ambitions. Et puis Amiens. Hein, Amiens, je pense qu'il y a un club qui vise le professionnalisme aussi. Boulogne, et je pourrais en citer d'autres. Je dirais que c'est le national, ça doit, la saison dernière, doit nous faire comprendre qu'il n'y a aucune équipe à sous-estimer, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, mais il faut bien reconnaître que si on fait un classement contre les équipes qu'on finit dans le haut du tableau, on est certainement devant eux. Par contre, on a eu beaucoup trop d'échecs contre des équipes du bas du tableau, et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier. On a comme l'impression, parce que évidemment, les gens ici ont les yeux focalisés sur le recrutement Strasbourg qui a l'air solide. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, beaucoup de recrutement de joueurs de L2, d'anciens de L1, on a l'impression que partout, quand même, un gros effort est fait cette année. Peut-être aussi parce qu'on ne sait pas combien d'années encore, on va y avoir 3 montées, 3 relégations, et que c'est peut-être la bonne année, mais on a l'impression qu'il sera plus fort, que la compétition plus dure, plus forte que l'année dernière. Oui, en sachant que tous les ans aussi, il y a une équipe qu'on n'attend pas. Hein. Oui. Donc Bourg-Péronas cette année, peut-être Luznac l'année d'avant. Donc il faut penser à ça aussi. Je pense que si on doit être récompensé, ça sera grâce à notre mérite, grâce au travail des joueurs, à leur intelligence, et puis un peu de chance aussi. Voilà, et on va avoir un groupe compétitif, mais qui ne garantit pas à 100% qu'on va réussir, parce que je pense que les autres... on a vu par exemple Strasbourg-Amiens. Amiens était 7e, 8e place, n'avait plus rien à jouer. Oui. Et on n'a pas eu l'impression. Et ils sont venus ici en faisant le match de leur vie. Et maintenant que j'ai un ancien joueur d'Amiens qui est dans l'effectif, j'ai discuté avec lui. Et maintenant, je sais que le discours d'un entraîneur a été le discours le plus musclé de la saison. Tout ça parce que c'est Strasbourg. Alors pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais je veux dire, c'est vrai que Strasbourg... est beaucoup envié parce que les gens viennent ici, c'est différent des autres stades de national. Mais donc on doit être assez costaud, nous, et dans le recrutement qu'on fait, c'est pour ça qu'il faut des joueurs d'expérience. On doit être capable d'avoir des joueurs qui sont habitués à résister un petit peu à la pression adverse. Sur un plan personnel, pour en terminer, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime, d'où vient cette foi qui n'a pas bougé? À la fois, je l'avais jamais perdu, mais moi, j'étais bien où j'étais. Voilà, tout simplement, j'ai dit tout à l'heure, je suis en bonne santé. Et puis le foot, moi, je la vis comme une passion, avec, très différemment de ce que j'ai pu le vivre il y a quelques années. En sachant que mon objectif personnel, si j'en ai un, c'est de faire du mieux possible. Je suis un gagneur, un râleur, assez exigeant, je pense. Vis-à-vis de tout le monde, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Et donc, l'objectif, c'est que Strasbourg regagne la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le monde professionnel, voilà, tout simplement. Tu restes à ce jour quand même, si on regarde ton passé à Strasbourg, de joueur et d'entraîneur, la personne qui a le palmarès le plus riche, que représenterait là-dedans une ligne
de monter en Ligue 2. Non, ça serait même pas la montée en Ligue 2, ça serait retrouver le monde professionnel. Ouais. Voilà, qu'est-ce, je crois. Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas. Championnat de France ou une coupe. Ouais, de bon, ça, ça fait des années et c'est plus ou moins. Il faut pas vivre avec le passé. Et moi, je vis dans le présent et dans le futur proche. Et ça représentera certainement une des deux ou trois plus belles pages. Ça serait fierté. Ouais. Moi, je suis un peu comme ça, même si je manifeste pas trop. Mais d'abord, si je le fais, personne, je suis pas obligé. Hein, je suis pas obligé de faire ça, mais je le fais tout simplement parce que j'ai la chance de vivre une passion encore et qui n'était pas tout à fait programmée, donc j'en profite à plein temps maintenant et puis après on verra, j'espère que ça se passera bien en tous les cas. Merci Jackie et belle saison Racing. Merci.